En visite, au siège du CEDCI en finition à Cocody, la ministre Anouloto a invité le directeur du CEDCI, Diabaté Moussa et ses collaborateurs à travailler en synergie afin de permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs. Centre d'éducation à distance en Côte d'Ivoire. C'était ce jeudi 27 janvier 2022, la première responsable de l'administration de Côte d'Ivoire a effectué une visite de travail au centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire dénommé CEDCI. Lors de cette visite officielle, la ministre de la fonction publique Anouloto a mis les agents du centre d'éducation à distance en Côte d'Ivoire, CEDCI, devant leurs responsabilités. En visite, hier au siège du CEDCI en finition à Cocody, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a invité le nouveau directeur du CEDCI, Diabaté Moussa et ses collaborateurs à travailler en synergie afin de permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs. Lire aussi renforcement des capacités des jeunes, 40 leaders d'associations formés sur la planification, le suivi et le rapport axé sur les résultats. Les propos de la ministre Anouloto. Le gouvernement a les yeux tournés vers vous, nous avons besoin du CEDCI pour exécuter et mettre en œuvre notre politique nationale de formation et de renforcement de capacités, non pas seulement des agents de fonctionnaires de l'État mais de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire et également à l'attention de la société civile. C'est un projet très ambitieux. Il faut nous proposer et dire exactement ce que vous comptez faire afin que cet outil soit au service des citoyens ivoiriens. Je veux pouvoir compter sur vos expertises internes pour nous redonner le sourire. Puisque vous connaissez l'histoire de cette maison et vu que vous en avez les compétences pour la diriger. Le gouvernement a les yeux tournés vers vous, a déclaré la ministre Anouloto. Lire aussi Côte d'Ivoire, voici comment la ministre Anouloto lutte contre la fraude aux concours administratifs 2021 avant d'ajouter, j'attends de vous que vous soyez une équipe autour de votre directeur général. Une équipe soudée et qui regarde dans la même direction. Pour être une équipe efficace il faut savoir faire preuve d'humilité. Dans une synergie d'action chacun doit pouvoir jouer son rôle. Les propos du directeur général du CEDCI. Lire aussi CED, CI Formation. Un message reçu 5 sur 5 par le directeur du CEDCI. Votre message a été reçu. Nous allons tous œuvrer pour rehausser ce centre afin de contribuer à la modernisation de l'administration ivoirienne, a-t-il indiqué Diabaté Moussa, directeur général du CEDCI.